Eh bien, salut à tous et à tous, c'est l'heure de l'humeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur une app que j'ai trouvée sur Minecraft.fr ou .net, je sais plus. Donc, c'est une série sur la map Les Milieux, qui est une map à type RPG, qui m'a l'air bien sympa. Donc, on va passer tout de suite, on va se dépêcher. On va regarder un petit peu qui a fait la map. Donc, map Fulmen, avec les aides de Panda, Kitmar. Ça, c'est le bêta tester, Faliona, d'accord. Alors, merci d'avoir téléchargé cette map, c'est une map RPG avec des sorts, des boss. Si vous voulez savoir comment jouer à cette map, vous pouvez cliquer sur le bouton pour faire ce petit tutoriel très court. C'est fait. Vous devez mettre le ressource pack fourni avec la map. C'est fait. Et j'ai quoi là-dedans? Règle, c'est bon. Je connais déjà. Joueur minimum avec 12 chunks, activé par kill, mettez votre son pour l'exitum. Vous jetez à classe. Attention, si vous êtes plusieurs, une classe ne pourra être prise que par un joueur. Tu lui vois créateur première entité au niveau 5 et la seconde au niveau 30, d'accord. Mage de feu. L'invocateur, guerrier, archer. Archer. On n'est plus que quand tout le monde est prêt. Plus de flèches, plus de flèches. Nouvelle 30. Le sort plus de flèches permet de faire apparaître tout autour de toi des flèches qui vont blesser les ennemis. Temps de recharge, 20, 28 secondes. Ok, excellent. Commencez. Chapitre 1. Le début de la fin. Je lance le chrono. Ça va être que des épisodes de 10 minutes, les amis. Ah, j'ai bien dormi. Oh, je n'ai plus de nourriture. Je devrais aller chercher du pain dans les champs. Donc, ils ont dû faire que des épisodes de 10 minutes. Comme ça sera un petit peu plus rapide pour moi. Oh, excellent. Pain. Ok, donc je pense qu'il faut que je mette 5 pains ici. Elle est magnifique cette map. Attendez. Waouh, ça va les lags. On va replanter. Je vais essayer de tout prendre, mais là, je replante. Mais j'ai des lags. Et je pense que c'est des lags serveurs. On va checker, je vais baisser mes chunks à 12 au minimum, ils ont dit. On va replanter comme ça pour la prochaine fois. Comme ça pour la prochaine fois, si jamais il y en a qui veulent en manger. What? Mais. Eh, faut m'expliquer pourquoi j'ai des baisses de FPS de ouf. Vidéo setting. On va mettre fancy. Ça va être un petit peu plus laid, je pense. Si je lag un petit peu moins, il y a une table de craft là-dedans. On va en faire plusieurs. Voilà. Et on va en mettre. 5. J'ai assez de réserves, je devrais aller au magasin voir s'ils ont besoin d'aide. Au magasin. Ça doit être là-bas, je pense, le magasin. Ok, c'est pas là. C'est le moulin. C'est ah, c'est le moulin, c'est impossible que ça soit là. Emerald, ça doit être ici. Non, c'est la banque, ça j'imagine. C'est là. Ah. Bonjour. Ah, tu tombes à pic. Dis-moi que tu pourrais aller chercher une poudre divine dans la maison abandonnée. Bien sûr, tu seras payé. If you want, hein, la maison abandonnée. C'est peut-être celle-là. Ou non, c'est peut-être celle-là. Il y a des toiles d'araignée. Oh. Où est la porte de cette maison? Où se trouve la... Ah, d'accord. Je pense qu'il faut faire des jumps, non? Non, je sais même pas. Attendez, s'ils sont assez faux pour faire des trucs comme ça, faut que je m'attends à vraiment avoir des trucs faux.
Normalement, je pense qu'il fallait sortir l'autre bloc, mais je suis pas sûr. Ouais, c'était ça. C'était ça, poudre divine. Excellent. On retourne voir le marchand, on va lui donner cette poudre. Normalement, j'aurais dû ça à la banque avec les émeraudes, mais bon. Tiens. Merci, bien, comme promis ton argent. Allez hop, merci. C'est bien. C'est bien, tu respectes. J'ai envie de lecture, je devrais me rendre à la bibliothèque. Oh là là, quelle casse-couille. Bah, c'est moi. D'accord. Oui. La bibliothèque. M'expliquer où sont les livres. Ça va, c'est une bibliothèque, c'est pas un labyrinthe. Ah, mais non, mais c'est... J'aurais dû faire un... Ah! Parce qu'en fait là, j'ai pas envie de mettre 10 ans, quoi. Chercher des choses. Je sais même pas ce que je cherche en plus. Ah. Je dois aller où? Eh, mais c'est la bibliothèque de la mort, ça? Ça va avoir du mal. Ah, attendez, il y a un truc. Je regarde, hein, parce que j'ai envie de pas changer à rater des choses. Ah, c'est ça pour accéder à une bibliothèque. Je sais pas que c'est aussi dur. Tu me dirais qu'il y a des gens qui aiment pas y aller, bah. C'est pas à cause des livres, c'est à cause du chemin pour y aller. N'importe quoi. Très bien, on va regarder un petit peu plus en long et en large. On a le time de toute façon. Ouais, 6 ans. J'ai cru que. Attends, j'appuie. Ah non, lag serveur. Oh. D'après d'anciennes légendes, un homme nommé Caran voulait régner en tant que maître du monde. Désirait toujours plus de pouvoir. Intéressant. Mais vous verrez la fin dans le prochain épisode, les amis. À plus.